Le but de ce moment, c'est de vous introduire dans cette réalité surnaturelle et spirituelle, ce qui vous aidera à connaître le bien fondé de l'œuvre de Dieu dans votre vie, qui va vous introduire dans la délivrance. Donc si vous savez cela, vous allez comprendre mieux vraiment ce que le Seigneur vous réserve. Alléluia. Amen. L'inspiration que le Seigneur nous a donnée ce matin, c'est de parler d'un sujet très très important. Du coup, nous allons. Ah non, c'est le lecteur. Bon, je vais gérer. De la femme. La femme. Alléluia. Dieu, c'est le sujet le plus crucial de l'histoire. Depuis le commencement jusqu'à nos jours. Dans tout ce que Dieu a fait, la femme, putain. Nous allons comprendre la femme. C'est quoi la femme? Nous allons directement dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Je lis au nom de Jésus. Avant de lire, il faut savoir déjà que Dieu a créé l'homme. Et Dieu a mis l'homme dans le jardin pour cultiver le jardin, pour protéger le jardin. Et le jardin, c'était le jardin d'Éden. Vous voyez, c'était le jardin d'Éden que Dieu avait lui-même créé et a mis, il a planté le jardin à Éden et a mis l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse garder, cultiver le jardin. Donc, quand il a mis l'homme dans le jardin, il voit que l'homme est seul, l'homme va tout cultiver, l'homme va tout faire, vraiment ce soir, un travail pénible pour l'homme. Il dit dans Genèse 2, verset 18, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs. C'est bon. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est quoi pour l'homme? La femme est quoi pour l'homme? L'aide. Alléluia. Amen. Et il a, dans le verset 22, il dit, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Donc, elle est formée de la côte prise de l'homme. C'est-à-dire, elle est tirée de l'homme. La femme, elle est semblable à l'homme. Et la femme est tirée de l'homme. C'est ce qu'on vient de comprendre ici. Maintenant, le Seigneur va dire quelque chose à Adam. Quand nous lisons le verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin. L'Éden pour cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet homme à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Voilà ce que Dieu dit à l'homme. Et l'homme connaît cela en tête. Est-ce que vous voyez? L'homme reconnaît que Dieu lui a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il peut manger tous les autres arbres, mais pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où il mangera de cet arbre, il mourra. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce que Dieu a dit à Adam comme gardien du jardin. Maintenant, quelque chose va se passer dans le chapitre 3. Lisez-moi du premier verset au sixième verset. Genèse 3, à partir du coup. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Ok. Donc, le serpent,
Isaïe du serpent ancien, qui était Lucifer au septième ciel, au ciel avant d'être précipité par sa désobéissance, par sa rébellion. Donc quand il était précipité, il était descendu sur la terre et pouvait même séduire et exercer sa ruse. C'est pourquoi il alla vers la femme. D'abord, c'est l'homme à qui Dieu a confié le jardin. Mais quand le serpent, par sa ruse, vient dans le jardin, l'Écriture dit qu'il dit à la femme. Donc il va voir la femme au lieu de voir l'homme. Parce que au moment où Dieu avait donné cet homme, la femme n'était pas créée. Parce que l'homme était créé avant même la femme. Mais quand l'homme a reçu l'ordre, l'homme a transmis l'ordre à la femme. Et la femme aussi sait que qu'il peut manger tous les arbres du jardin, mais il ne doit pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, au lieu d'aller vers l'homme, l'ennemi, le serpent, le rusé, va vers la femme. Et il dit à la femme, tu as dit réellement, dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est une question. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Donc la conséquence à la désobéissance à l'ordre que Dieu a donné de ne pas manger, c'est la mort. Donc la femme reconnaît que c'est la mort qui est la conséquence directe à la désobéissance de l'ordre que Dieu a donné. Donc le serpent va dire à la femme, vous ne mourrez point. Ah. Dieu l'a dit, quand vous allez manger, vous allez mourir. Mais le serpent dit, vous ne mourrez point. Le serpent vient dire le contraire de ce que Dieu a dit pour pouvoir pousser la femme à désobéir à Dieu. Pourquoi c'est la femme? Pourquoi Satan est allé vers la femme? Parce que la femme est un sexe faible. L'homme est un sexe fort. La femme a été tirée de l'homme. La femme est une côte tirée de l'homme. C'est pourquoi la femme est un sexe faible, même au commencement. Et Satan sait bien que ce n'est pas la femme que Dieu a donné le jardin. Donc pour pouvoir s'aimer le coup, pour qu'il meure et qu'il désobéisse à Dieu, s'éloigne du jardin, il faut passer par la femme. Parce que la femme n'est pas la gardienne du jardin. Donc la manière dont la femme va répondre sera différente à la manière à laquelle le gardien lui-même va répondre. Est-ce que vous comprenez? Donc la femme était l'aide de l'homme et elle était un sexe faible. Donc Satan est allé directement vers la femme au lieu d'aller directement vers l'homme. Et qu'est-ce qu'il va dire à la femme? Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, depuis le commencement, la femme était une cible du serpent. Donc, depuis le commencement, la femme était une cible du serpent. Donc, vous devez savoir que depuis le commencement, la femme, la première femme, était toujours une cible. Et depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, le diable voit la femme toujours comme une cible. Et même quand la femme, l'aspect de la femme change dans les dispensations jusqu'à aujourd'hui, Dieu voit toujours les femmes comme une cible. Quand la femme, quand l'église est comparée, l'église est comparée à une femme, le diable va encore voir l'église comme une cible. Quand Israël est comparé à une femme, est-ce que vous me comprenez? Le diable voit Israël comme une cible. Tous les éléments que Dieu a comparés, Dieu a figuré comme femme, le diable les voit comme une cible. Parce qu'il voit que la femme est créée après l'homme. Et qu'elle est un sexe faible, elle est tirée de l'homme. Donc, il faut le séduire, le tenter pour pouvoir détruire sa relation avec l'homme et sa relation avec Dieu. Comme la femme était tirée de l'homme, était un sexe faible, l'aide de l'homme, en obéissant à l'ordre que l'homme lui a donné, que l'homme a reçu de Dieu, elle sera toujours soumise à l'homme et aura une bonne relation avec l'homme. Et en obéissant à l'homme et ayant une bonne relation avec l'homme, elle sera aussi soumise à Dieu qui a donné cet homme pour l'homme. Donc la femme sera soumise à l'homme et en même temps soumise à Dieu. Écris ça. Donc c'est la volonté de Dieu au commencement.
Mais le diable veut embrouiller le système. Et c'est au commencement, depuis ce moment, que le diable combat la femme. Le diable n'aime pas la femme. Mais par Christ, Dieu a restauré le mal de la femme. Alléluia. Maintenant, nous continuons. La femme vit, le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. À cause de la séduction, puisque le diable a dit à la femme, Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ah! Qu'est-ce que symbolise ces yeux qui s'ouvriront? Notez ça. Si vous êtes là, après, vous faites la collage et on va parler. Ah! Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Est-ce que cette intelligence est l'intelligence véritable? En réalité, cette intelligence n'est que séduction. Puisque depuis que la femme s'est laissée séduire par le diable, elle a reçu la semence de la séduction du diable. Et en même temps, au lieu de l'intelligence qu'elle pensait avoir, c'est la séduction qu'elle a reçue. C'est pourquoi, depuis la chute de la femme, elle était séduite par le serpent et aussi, elle était aussi dans la séduction. Alléluia. Comme la femme a été séduite par le diable, la femme va faire quoi? Elle va aussi séduire son mari. Elle va pousser son mari à aussi manger. Or, son mari, c'est lui qui lui avait donné cet ordre. Parce que l'homme avait reçu l'ordre de Dieu. Il en mangea. L'homme en mangea. Donc, l'homme a été séduit par la femme. La femme a été séduite par le serpent. Est-ce que vous comprenez? Donc, le sens est renversé. L'homme devait être soumis à Dieu et la femme soumise à l'homme. Voilà que c'est la femme étant soumise au serpent, étant séduite par le serpent, séduit l'homme, domine l'homme et pousse l'homme maintenant à désobéir à Dieu. Et la Bible dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par le péché, la mort. Est-ce que vous voyez? Mais quelque chose va se passer. C'est toujours nous parlons de la femme. À cause du péché, parce que Adam a mangé et que les deux ont mangé, se sont séparés de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Lisez-moi le chapitre 3. Je mettrai inimitié en toi et la femme, en ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. La femme va écraser la tête au serpent, puisque le serpent l'a séduit. Maintenant, le Seigneur veut changer l'ordre. Et ce n'est plus le serpent qui va détruire la femme, mais la femme qui va détruire le serpent. Et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Voilà. Donc ici, l'Écriture dit que je mettrai une unité en toi et la femme. Donc le Seigneur Dieu dit que serpent, tu as séduit la femme, mais moi, il y aura quelqu'un qui t'aura, c'est-à-dire il y aura une postérité. Et celui qui sortira de la postérité de la femme, dans la chaîne, viendra pour faire quoi? Pour détruire, pour t'écraser la tête, et toi tu lui blesseras le talon. La postérité de la femme, c'est Jésus qui est né selon la chair de Marie. Et à la croix, Jésus a brisé la tête du serpent, et le serpent l'a blessé le talon. Depuis ce moment, Dieu a changé l'homme, puisque depuis la conséquence du péché, la femme était vouée à la perdition. Maintenant, par l'œuvre que Jésus-Christ a fait en brisant la tête du serpent, étant la postérité de la femme, Jésus-Christ va changer l'intervention, va donner le pouvoir même à la femme, passe par la foi, par le sang de Jésus, d'écraser les scorpions, de la même manière que les hommes ont reçu le même pouvoir. Mais malgré ce pouvoir qu'ils ont reçu, l'homme demeure supérieur dans l'autorité, dans la domination, et la femme doit se soumettre à l'homme, puisque c'est le principe originel. Mais à cause du péché, le principe a été bafoué et la femme s'est révoltée contre l'homme. Mais Christ, en écrasant, Christ sortant de la prostitution de la femme en écrasant la tête du serpent, a changé l'ordre des choses. Mais là, qu'est-ce que l'Écriture va dire? Allons-y dans un Timothée 2. Vous allez comprendre la femme, ce que Dieu dit pour la femme. Comment la femme doit être sauvée? Puisque depuis le péché de la femme était vouée à la perdition. Toutes les femmes qui viennent, était voué à la perdition. Pourquoi?
à cause de la première femme qui a été séduite par Satan, qui a séduit l'homme. Et la femme qui devait être soumise, elle devient soumise, elle devient influenceuse, elle qui influence l'homme. Or, ce n'est pas le plan de Dieu. Mais quand Christ a rétabli les choses, et que de la bonté de cette femme, Christ a détruit le serpent, alors l'autorité de l'homme va être rétablie. Est-ce que vous comprenez? 1 Timothée 2, verset, à partir du verset 11 à 15. 1 Timothée 2, verset 11. Je lis au nom de Jésus. La femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne veux que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Pourquoi Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme? Pourquoi Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme? Selon l'explication qu'on a donnée. Oui, la sœur Stein. À cause de la séduction, elle s'est rendue séduite par le diable. Donc, ce qu'elle a fait au commencement, c'est qu'elle avait enseigné l'homme en disant à l'homme de manger le fruit de l'âme interdit. Donc, comme elle s'est corrompue par le diable, le Seigneur dit maintenant, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Puisque maintenant, Christ étant sorti de la pensée de la femme, a vaincu le serpent qui avait séduit la femme, et que l'homme est maintenant rendu dans sa position d'autorité en dessus de la femme. Je ne permets plus à la femme d'enseigner ou de prendre autorité sur l'homme. C'est ce qui s'était passé au jardin au commencement. Continue. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Dans le silence. Dans le silence. Quand Adam a été formé le premier. Ève ensuite. Adam a été formé le premier. Ève ensuite, puisque Ève est l'être. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Ah, ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est voilà pourquoi je dis que la femme ne doit pas enseigner. Parce que ce n'est pas Adam qui a été séduit. Mais c'est la femme qui séduit s'est rendue coupable par transgression. Elle sera néanmoins sauvée. Maintenant, le Seigneur parle de Jésus à la croix. L'Écriture dit que la femme qui était rendue coupable de transgression, qui était sous la perdition à cause du diable, parce que Christ a tout vaincu à la croix et que l'homme a été rétabli. La femme maintenant, comment la femme peut être sauvée? Comment tu peux être sauvée en tant que femme? Comment la femme peut être maintenant sauvée? Elle qui avait été séduite, qui avait été coupable de transgression, elle qui était perdue. Comment la femme peut être maintenant sauvée? Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée. En devenant mère. En devenant mère, je vais l'expliquer. Si elle persévère. Si elle persévère, pour que la femme soit sauvée, elle doit persévérer. Avec modestie dans la foi. Avec modestie. C'est pas la modestie maintenant que la femme pourra être sauvée. C'est pourquoi nous parlons beaucoup de la modestie de la femme. Alléluia. La première femme n'était pas modeste. Elle n'avait pas reconnu sa place d'aide dans la simplicité. Voilà pourquoi elle était perdue. Dans la charité, elle doit demeurer avec modestie. Si elle persévère avec modestie, dans la avec foi. Persévérance. Persévérance. Donc la femme doit toujours persévérer. Mais dans la modestie, c'est-à-dire dans la simplicité. Je reconnais ma position en tant qu'aide. L'Église aussi est la femme. Donc, dans la persévérance, dirait modestie, voilà comment la femme doit être sauvée. C'est ce que l'Écriture dit par rapport à la femme. La persévérance, la modestie, en bande de simplicité, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Voilà la clé du salut de la femme. Mais d'abord ici, mère. Mère. Pourquoi? En devenant mère, que veut dire ce passage? Pourquoi elle doit devenir mère? Pourquoi elle doit devenir mère? Mère, c'est l'aide du Père. Est-ce que vous comprenez? En désobéissant et en révoltant l'homme, et en se révoltant contre l'homme pour pousser l'homme à la chute, elle se mettait à la place de Père. Est-ce que vous comprenez l'explication? Quand elle était en train de séduire l'homme en obéissant à la voix du serpent, elle se mettait à la place du Père.
C'est pourquoi il pouvait téléguider Adam. En réalité, ce n'était pas la volonté de Dieu. Maintenant, pour qu'elle soit sauvée, la femme doit redevenir, mais comme au commencement, avant la chute de l'homme, avant la désobéissance, avant la séduction du serpent. Donc la femme doit redevenir mère. Ce n'est pas enfanter. Quand on dit mère ici, ce n'est pas elle doit avoir un enfant. Elle doit redevenir aide pour l'homme. Puisque Adam est père, Ève est mère. Mais comme Ève étant mère, elle a dominé sur Adam en devenant père, il faut que la vérité, la volonté de Dieu soit rétablie. C'est pourquoi pour que la femme soit sauvée, elle doit redevenir comme Ève avant le péché. C'est ça, mère. Elle doit devenir une femme simple, une femme modeste, une femme humble, une femme soumise, une femme ayant des vertus avant d'être sauvée. Continue, on est presque à la fin. Hein? Voilà, elle doit devenir mère. Voilà la signification. En persévérant dans quoi? Dans la foi. Elle doit persévérer dans la foi. Pour que la femme soit sauvée aujourd'hui, elle doit persévérer dans la foi en Jésus-Christ. Quand on dit persévérer, elle doit accomplir des œuvres de la foi pour que Dieu l'accorde les œuvres de la grâce. Maintenant, en persévérant dans la foi, elle doit rester dans la modestie. L'on peut dire que lorsque Satan l'a séduit, elle a reçu les accoutrements de Satan. On peut le dire d'une manière ou d'une autre, je ne dis pas que c'est ça, mais on peut le dire, elle avait été revêtue avec, lorsque Satan l'a séduit, elle était naturelle. Mais comme elle a été séduite par le diable, Satan l'a fait porter les maquillages. Or, avant, elle était belle. Elle était sainte. Elle n'avait même pas besoin des maquillages, des accoutrements pour être belle devant Adam. Mais comme elle ne fout pas de transgression, le diable a séduit. Maintenant, voilà, regarde comment tu es. Dieu t'a chassé du jardin. Tu es devenu, regarde. Moi, je veux te vêtir. C'est là, le diable a dit, porte boucle d'oreille, mèche, porte ça, maquillage, porte ça, et cosmétique, tout ça. Parce que, elle avait été pour de transgression par la séduction. Donc elle a reçu la semence de la séduction. C'est pourquoi, depuis ça, le commencement, la femme ne pouvait pas porter des parures. Mais c'est à cause du péché. Et quand le péché est arrivé, c'est par lequel porte l'a rendu coupable de séduction. Maintenant, pour qu'elle soit sauvée, il faut que la semence du serpent qu'elle a reçue, en portant ses parures, ses accoutrements, elle se dépouille de ces choses. Parce qu'au commencement, avant la séduction, elle n'était pas habillée comme ça. Elle était belle selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc quand Dieu les a habillés, Satan va donner aussi son habillement, son accomplissement à cause de la séduction. Parce que c'est Satan qui a le pouvoir sur eux. Or Dieu les a créés naturellement. Voilà l'origine des boucles d'oreilles et parures. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour qu'elle soit sauvée, 1 Timothée 2, verset 9, on dit la modestie que la femme doit appliquer à elle. Pour qu'elle soit réellement comme Ève était mère, était simple, était l'aide de l'homme au commencement avant le péché. Oui. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, la modestie. La première femme après sa chute et toutes les autres femmes se sont revêtues d'une manière physique, apparente, dépravée. Avec pudeur et modestie, ne se pas ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Quand le diable était chuté, il est revenu avec ses pierres précieuses. Tout cela, tout ce qu'il avait, il était habillé de ses pierres, de ses parures, de ses ornements au ciel. Mais quand il est venu sur la terre, il les a portés. Il les a portés aux hommes et aux femmes, à cause de la désobéissance du premier, de la première femme. Maintenant, pour que la femme soit sauvée, elle doit se dépouiller de ses ornements que Satan lui a vêtis. Elle doit se revêtir la simplicité, la modestie. Elle doit maintenant enlever les boucles d'oreilles, enlever les habillements d'or, enlever les perles, enlever tout ça et se revêtir dans la modestie, dans la simplicité. Voilà la modestie. Voilà la condition pour laquelle la femme serait sauvée. C'est pas fini. Dans la foi. La modestie dans la foi. Il faut qu'elle pratique la foi. Les œuvres de la foi. Maintenant, allez dans 1 Pierre 3. Verset 3 à 6. 1 Pierre 3, verset 3. Ayez, dans cette parure extérieure,
qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure. La parure que Dieu veut pour la femme, pour que la femme redevienne mère de la même manière que Ève était mère avant le péché. Il faut que la femme devienne simple aide. Est-ce que vous comprenez? Alors, il faut qu'elle revête quelle parure? La parure intérieure. Puisque la parure extérieure, elle a reçu par le diable. Et c'est l'orgueil. L'orgueil, l'extravagance, la séduction. C'est comme Jézabel. Il faut qu'elle soit vertueuse. Alors, tu dis quoi? Mais la parure intérieure. La parure intérieure est cachée dans le cœur. Est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible de l'esprit doux. Voilà. Donc ça, parure intérieure. Elle doit se revêtir. Pour que la femme soit sauvée, elle doit avoir la persévérance, la foi, la modestie, la simplicité, la charité, la sainteté. La parure intérieure. Hein? Est cachée dans le cœur. Un esprit doux. Parure intérieure d'un esprit doux et paisible. La pureté incorruptible de l'esprit doux et paisible. La parure intérieure. Oui, est cachée dans le cœur. Est cachée dans le cœur. Donc voici les conditions pour que la femme soit sauvée. Elle qui avait perdu, était perdue à cause de la séduction du diable. C'est ça qu'on a dit. Et c'est dans 1 Timothée 2, versets 11 à 15. La pureté incorruptible. La pureté incorruptible. D'un esprit doux et paisible. Voilà. D'un esprit doux et paisible. Voilà. La femme, si vous avez ce caractère, vous serez sauvé. Si vous avez ce caractère expliqué par Jésus-Christ, vous serez sauvé. Donc, voilà la condition. Pourquoi? C'est alors que le ministère d'autorité a été donné. Parce que c'est l'homme, il travaillera dur. Produira beaucoup d'efforts avant de produire peu de résultats. Mais la femme sera toujours aide. Et l'autorité de l'homme sera restaurée. Mais la soumission de la femme sera restaurée pour que la femme puisse avoir ses qualités. Ce que Dieu veut pour, c'est pour la femme, ce n'est pas forcément un ministère d'autorité, devenir pasteur. Non, 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 Dieu ne veut pas. Ce que Dieu veut, si l'homme, la femme devient autoritaire, pasteur, apôtre, prophétesse, tout ça, alors elle est en train de renverser l'ordre du commencement. Donc elle n'est plus aide, elle n'est plus soumise. Donc voilà ce que Dieu veut pour la femme. Hein? Qui aide? Donc la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est ce que Dieu veut. L'église aussi, c'est le même cas ici avec l'église, y compris les hommes et la femme. Quand on dit femme, c'est d'abord la femme naturelle. Mais il y a aussi l'église. Donc nous aussi, nous avons ce cas, l'idée, même les hommes, y compris même les ministres. Mais nous parlons d'abord de la femme naturelle. Elle doit avoir pureté intérieure cachée dans le cœur. Pureté incorruptible. Parmi les cachés de cœur, pureté incorruptible. Vous devez avoir une pureté incorruptible. Ce n'est pas s'habiller décemment, physiquement, qui est la chose. Avoir cœur doit avoir les vertus d'une femme chrétienne digne. On doit avoir l'humilité, la simplicité. L'orgueil doit être brisé. L'égoïsme doit être écarté. La rancune doit être ôtée. Mais nous devons voir l'amour, la charité. Hein? Qui est de grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois. Voilà. Ainsi se paraît autrefois. Les saintes femmes. Les saintes femmes. Qui espéraient en Dieu. Qui espéraient en Dieu. Soumises à leur mari. Soumises à leur mari. Comme Sarah. Comme Sarah. Qui obéissait à Abraham. Qui obéissait à Abraham. Et l'appelait son Seigneur. Voilà. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles. En faisant ce qui est bien. Vous êtes devenues, vous devez devenir comme Sarah. Fille de Sarah. En faisant ce qui est bien. Et non comme Jézabel. Qui est la femme séduite, la femme Ève a peur du péché. Hein? Sans vous laisser troubler par aucune crainte. Alléluia. Donc voilà ce que Dieu veut pour vous, l'amour, le fruit de l'esprit. Maintenant, retournons dans 1 Timothée 2, verset 15. La charité, la sainteté. Donc la femme doit revêtir la sainteté. La sainteté est obligatoire. La charité, l'amour, est obligatoire. La sainteté intérieure et extérieure. C'est pourquoi Tite 2 va dire que les femmes âgées, quand on dit femmes âgées, en réalité, femmes âgées, c'est d'abord femmes âgées en âge, mais naturellement, mais spirituellement, femmes âgées signifie femmes mûres de la foi, mûres de la connaissance, mûres de la doctrine, mûres de la vérité de Christ.
Et c'est la femme âgée qui est la femme qui persévère. Dites Dieu, verset 3. Dis que les femmes âgées, que les femmes âgées vont aussi avoir l'extérieur. Vont avoir aussi l'extérieur qui convient à la sécurité. Qui convient à la sécurité. N'être ni médisant. N'être ni médisant. Voilà la condition pour que la femme soit sauvée. Hein? Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Qu'elle doit donner de bonnes instructions. Qu'elle doit donner de bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. À aimer leur mari. À aimer leur mari. Et leurs enfants. Et aux femmes, quelles jeunes femmes, aux femmes qui ne sont pas matures à la foi. Et aussi aux femmes qui ne sont pas, n'ont pas encore grandi. Maintenant, cette femme âgée est la femme qui persévère. La femme qui est remplie de modestie, de simplicité. La femme qui est remplie d'amour, qui est remplie de sainteté extérieure, intérieure. La femme qui est soumise à l'homme. La femme qui a une parure intérieure cachée dans le cœur. La femme qui a une pureté incorruptible et un esprit doux et paisible. La femme qui est revêtue du fruit de l'esprit. Voilà la femme qui est des prix agréables devant Dieu. La femme âgée, la femme qui devient mère, la femme âgée qui peut maintenant être sauvée devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc voilà la condition. Comme la femme est déjà une cible du diable, qu'est-ce qui va se passer? Le diable va utiliser des hommes, des faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux évangélistes, des mercenaires du diable, des extrémistes. Des agents de l'ennemi pour pouvoir faire quoi? Pour s'introduire, pour détruire la femme. Oui, 2 Timothée 3, 6. Il en est parmi eux. Ah. Il s'introduit dans les maisons. Ah, dans les maisons. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir détruire la femme. Et pour combattre la femme. Donc ça montre que la femme, tu es de prix à cœur devant Dieu. Et Satan et ses serviteurs vont tout faire pour te détourner de Christ. Pour te détruire, pour te perdre ton étoile. Hein? Et qui capture des femmes? Qui capture des femmes? Qui a un esprit faible et bonné? Un esprit faible et bonné. Chargé de péché. Chargé de péché. Agité par des passions de espèce. Espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance. Voilà le but du diable. De la vérité. Comme il a échoué à la croix, il envoie ses mercenaires pour détourner la femme. Maintenant, allons-y dans Apocalypse 2, verset 20. Il y a une autre femme abominable, mais Dieu ne veut pas que vous soyez à son exemple. Dieu veut que les femmes soient à l'exemple de Sarah. Apocalypse 2, verset 20. Mm-hmm. Mais ce que j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme Jézabel. Tu laisses ta femme Jézabel. Qui se dit prophétesse. Qui se dit prophétesse. Enseigner, séduire mes serviteurs. Enseigner, séduire mes serviteurs. Dominer. La femme Jézabel qui se dit prophétesse, elle est en réalité la femme Ève qui s'est fait séduire par le diable. Et qui va séduire l'homme pour l'enseigner à désobéir à Dieu. C'est de cette femme que parle Apocalypse 2:20. Je ne veux pas que vous soyez comme Ève qui a péché, qui a séduit Adam, qui s'est révolté, insoumis à l'homme. Et Dieu ne veut pas aussi quoi? Nous qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Dieu veut que la femme soit une femme vertueuse. Et l'Écriture dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu ne le suis pas tous. Et l'Écriture dit, dans Proverbe 31, si je me trompe, que celui qui trouve une femme trouve, a trouvé le bonheur. Et le Seigneur veut que vous soyez des femmes vertueuses, ayant ces caractères, afin d'avoir une place au ciel. Donc que le Seigneur soit glorifié. Amen.